Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue aux ABC de la morale coranique. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la lettre P. Et pour cette lettre, j'ai choisi le pardon, pardonner. Le pardon qui est une vertu très importante, qui est une vertu centrale. Allah est pardonneur et aime ceux qui pardonnent. Inna Allah afuun yuhibbul afu. Allah aime les gens qui ravalent leur colère, qui ravalent leur énervement, hein, qui se contiennent et qui ne répondent pas au mal par le mal, mais par la clémence, la mansuétude et le pardon. Allah dit dans le verset « وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » Ceux qui ravalent leur colère et pardonnent aux autres, Allah aime les bienfaiteurs. Dans ces trois mots qu'on retrouve dans ce verset, que Allah nous dit de nous incite à ravaler la colère et ensuite pardonner, et il couronne cela par le fait de nous dire que cela fait partie de la vertu de la bienfaisance et Allah aime les bienfaisants. Dans un hadith aussi célèbre, le prophète il dit وَمَنْ كَظَمَ غَيْضَهُ et celui qui ravale sa colère وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيهِ أَمْضَاهُ et s'il voulait laisser libre cours à sa colère et s'exercer, peut-être parce qu'il avait ses raisons de s'énerver, de se mettre en colère, mais malgré cela, il a ravalé sa colère. Le prophète il nous dit Allah va emplir son fort intérieur d'espoir le jour du jugement dernier. C'est-à-dire que cet homme va espérer, va être en disposition de pouvoir espérer tant de choses de la part d'Allah. Pourquoi? En fait, c'est un peu comme la personne qu'il avait vis-à-vis de lui et envers qui il n'a pas laisser libre cours à sa colère, mais il l'a contenu. C'est donc cet homme-là espérait de lui cette attitude et il l'a observé. De même, lui, réciproquement, vis-à-vis d'Allah, il pourra espérer. Allah est pardonneur. Dans le Coran, il est dit dans de nombreux versets où Allah nous dit même que « Ô toi, être humain, ô toi, mon serviteur et adorateur, si tu viens vers moi avec des fautes et des péchés qui ont atteint le niveau des cieux, mais tu ne m'as rien associé et tu as espéré mon pardon, je t'accorderai autant de pardon. » C'est-à-dire autant de pardon que le niveau auquel en sont arrivées tes fautes. Le pardon, c'est quelque chose qu'on doit avoir vis-à-vis des proches et des gens lointains. Pardonner, c'est une disposition qui veut que dans son cœur, dans son comportement, on a plein de bien, on a plein de générosité, on a plein de mansuétude. Oh Allah, je le prie qu'il fasse de nous des gens qui pardonnent, comme nous espérons que lui-même nous pardonne. Amin. Au revoir. Wassalamu alaikum.